Le premier symposium international d'ostéopathie du sport et de posturologie, en fait, il va mettre en avant le travail multidisciplinaire qu'on peut faire en ostéopathie avec les autres professions médicales et paramédicales. Il va permettre en fait d'intégrer des nouvelles connaissances, notamment dans le milieu du sport et de la posturologie. Donc ce premier symposium international d'ostéopathie du sport et de posturologie permet à tous les intervenants et tous les participants de débattre autour des thèmes de la posturologie et du sport dans le cadre d'un travail multidisciplinaire. Ce symposium était déjà sur le thème du sport, donc un thème que j'aime beaucoup et dans lequel j'aimerais me développer. Et d'avoir à la fois cette partie théorique et cette partie pratique qu'on fait aujourd'hui. J'aimais bien le combo des deux et voilà, pouvoir aller un petit peu plus loin du coup dans les explications et pouvoir expérimenter nous-mêmes ce qu'on a vu hier. Je trouve que l'ESO a quand même une vision internationale de l'ostéopathie qui m'a plu. Je suis moi-même kiné ostéo, donc je travaille dans le sport de haut niveau. Moi, je suis là pour partager mon expérience. Avant toute chose, la posturologie est un pilier important de notre organisation. Ça a été observé depuis des siècles. Aujourd'hui, ça prend une autre vision parce que la technologie a avancé. Un tout petit mouvement peut déclencher des réponses extraordinaires dans le corps. Et donc, on peut venir aider un patient grâce à la posturologie, à l'ostéopathie et bien sûr, bien d'autres branches de la médecine telles que la kiné. Aujourd'hui, c'est cet échange de savoir entre nous qui fera que nous serons de bons thérapeutes et venir aider la population. Le fait que ce soit des intervenants internationaux et reconnus dans leur domaine, ça m'a donné envie de participer puisque du coup ils ont de l'expérience, ils ont assez de recul. Pour les ostéopathes, c'est important de continuer à se former. Ça permet d'enrichir nos connaissances, de se mettre à jour sur les nouveautés. Donc l'école propose depuis plus de 30 ans maintenant une formation en formation initiale en ostéopathie et depuis l'année dernière nous proposons des formations en post-gradué qui sont nommées les années de spécialisation. À rappeler que le symposium qui se déroule aujourd'hui rentre dans le cadre des années de spécialisation puisqu'il est intégré à la formation des différents participants de ces années et du coup il fait partie de l'année de spécialisation de sport et également de posturologie.